Salut les amis, aujourd'hui je vais vous montrer un petit peu comment on fait pour jouer du saxophone, c'est-à-dire dans quel sens on s'y prend, et puis patati patata, et toutes les pièces qu'il y a besoin. Donc, alors on a besoin d'un saxophone, on a besoin d'un bec, alors là c'est un bec métal, hein. Il peut être en ébonite et il peut avoir toutes les formes possibles à l'intérieur. Alors, l'intérieur, il y a une chambre, c'est une cavité. Et puis, alors là, il y a la table et il y a une pente. Voilà, grosso modo, là, hein, c'est courbé. Et alors, ça, c'est des graduations, hein, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors ça va vous permettre d'avoir un son, une émission de son qui sera alors soit vraiment vraiment, alors là c'est ça, un bec fermé, c'est-à-dire que vous allez avoir un débit d'air pas possible. Il va vous falloir une hanche. Alors plus le bec est fermé, plus l'hanche elle va être forte, pour arriver à jouer avec ce qu'on appelle dans le jargon une planche, hein, c'est-à-dire 4, 4 et demi, 5, enfin bon là, hein, on commence à aller vraiment sur la planche en bois dur. Donc, vous montez ça, vous mettez l'anche et vous avez besoin d'une ligature. La ligature, alors celle-là, elle est en cuir. Les ligatures sont généralement en métal. Il y en a des centaines de sortes, plus ou moins géniales. Ça sera vraiment à vous de sélectionner. Bon, ça c'est pour l'exemple, c'est pas du tout ça que je me sers, mais bon, voilà, c'est pour l'exemple. Alors, on monte. Alors, on fait très attention, hein, c'est délicat pour pas flinguer son hanche, hein. Donc, on met l'hanche et ensuite on fait le réglage. Là, c'est pas du tout prévu, mais bon, c'est pour l'exemple, hein. Et donc, pour que l'hanche soit bien montée, je vous montre. Je me mets sur le côté pour avoir un fond blanc. L'hanche, vous appuyez ici délicatement avec le pouce. Et il faut qu'elle soit, alors là vous allez régler, hein, tirer, pousser, machin, bon, qu'elle soit bien dans l'alignement, bien dans l'alignement. Et donc il faut que ce soit ici, le bout là, il faut qu'il soit carrément à fleur avec le bec. À fleur. C'est assez important parce que si l'ange dépasse trop, ça va être un peu compliqué pour émettre le son. Surtout si vous jouez avec une planche sur un bec fermé. Ça va être l'horreur. Et vous n'allez pas y arriver, ça va vous décourager, vous allez arrêter le saxophone et vous allez jouer de l'accordéon. Alors, quand même, hein, ouais, c'est trop dangereux. Alors, donc, voilà, on en est là. Alors, il y a ça. On dit que c'est fait, que c'est bien, il est réglé. C'est assez limité. Je le pose et il vous faut ensuite. Alors, soit un harnais, soit un cordon, il vous faut quelque chose pour accrocher le saxo. Parce que le saxo, il fait 6,3 kg. C'est un ténor. 6,3 kg, ça fait un petit peu de poids. Et étant donné qu'on ne doit absolument pas le tenir avec les doigts, avec les mains, on ne doit absolument pas le tenir, il tient ici. C'est que ça qui tient le saxo. D'accord? Donc je mets, alors moi, je vous dis, c'est un harnais, il est sur mesure, il est en cuir, il est en machin, c'est un truc. Ça bouge de partout.
Il est absolument sublimissime. Mais bon, je me le suis fait faire par un bourrelier en cuir, c'est-à-dire le mec qui fait plutôt des harnais de chevaux. Donc, je me suis dit, peut-être que lui, il va faire quelque chose de solide. Bon. Donc, vous prenez délicatement votre saxo de 6,3 kg et vous l'accrochez. Clic, il est accroché. Vous avez, alors, pour l'exemple, hein, je vous ai montré sur un autre truc, mais bon, voilà, vous avez fait tout ça. Hein. Le bec est posé, machin. Donc, vous avez ici le bocal. Bon, c'est un assemblage très très précis, c'est toujours galère. C'est pour ça que je voulais pas faire ça, mais bon, voilà. Le bocal. Ça s'appelle un bocal, ça, pour la forme d'un bocal, mais c'est un bocal. Voilà. Le corps. Le pavillon. Alors, vous avez remarqué, le pavillon, il est noir, et le pavillon noir, c'est les pirates. Voilà. Ouais, c'est pour ça que je voulais pas le faire. Bon, hein, voilà. Donc, réglage. Bon, alors là, après, ça sera à vous. Vous réglez ça par rapport à votre propre convenance. Hein, c'est-à-dire que bon, moi, j'ai des repères. Mais bah, vous ferez les vôtres. Hein. Je me mets dans un certain alignement. Ensuite, donc voilà, vous avez. Alors voilà ce que je disais. Hein. On ne le tient pas, le saxo. Hein. Jamais, jamais. On le tient que. Alors, on le tient comme ça. Regardez. Voilà. Je vous montre de l'autre côté. Voilà. On le tient délicatement. Le pouce. Hein, voilà. Voilà. C'est. Voilà. C'est comme ça qu'on tient un saxo. C'est uniquement. Et ça, c'est pour le transporter, pour le balader et tout ça. Parce que là, vous ne l'abîmez pas. Vous ne tordez rien, alors vous ne serrez pas comme un bourrin. Hein. Ouais, c'est tout. Voilà, le saxo, ça se tient comme ça. Donc, on raccroche. Et alors, derrière, là, ici, il y a ce qu'il faut pour mettre les doigts. Et ici, on va commander la clé d'octave. Donc, ici. Vous voyez les clés. Tac, tac, tac. Et tac. Ici. Tac, tac, tac. Voilà. Il n'y a rien d'autre. Alors après, il y a des clés intermédiaires, bien sûr, mais bon, là, dans un premier temps, voilà. Et là, bon, quand on a tout bouché, comme ça, quand toutes les clés sont appuyées, on a un do. Je vais vous faire un do. Voilà, ça c'est un do. Très bref, mais on va le faire moins bref. Alors, je vais essayer de me mettre de façon à ce que vous voyez. Et je vais faire un ré, mi, fa, sol, la, si, do. Je vais monter la gamme et vous allez voir qu'arrivé en haut, il va y avoir un truc qui s'appelle une fourchette. Le si et le do médium. C'est pas plus compliqué que ça. Alors après, quand on veut passer à l'octave, c'est de do ré mi fa sol la si do, ré mi fa sol la si do. On appuie sur la petite clé derrière. Donc, on fait si, do, petite clé, mais en même temps qu'on fait petite clé, on rappuie sur tout, et on revient au ré, qui là, du coup, est à l'octave.
Plus grave, il n'y a pas. Hein. Alors, ici, le si bémol, c'est là. Alors, là, tout est fermé. Hein. Et alors, bien sûr, on n'appuie pas sur la clé d'octave derrière. Hein. Sinon, ça fout le souk. Alors, le si bémol, si, le si, c'est là, celle-là. Et le do dièse. Alors, attention, ça, c'est une clé de dièse. Hein. C'est-à-dire que le do, vous le faites ici. Et là, c'est le dièse. Alors, on va partir du bas. Oh, ça siffle. Ben, est ridicule, hein, le... Ridicule, le mec, là. Étant donné qu'il siffle, je vais modifier l'emplacement de la ligature parce que ça peut venir de ça. Alors, avant, il faisait ça, mais c'est parce qu'il était complètement déréglé. Mais maintenant, il a été réglé, mais alors, pile poil. Donc, si ça le fait encore, et ça ne fait pas tout le temps, si ça le fait encore, c'est une question de position de la ligature, voire de l'hanche qui est trop fatiguée. Hein. De son saxo de la façon dont on veut. Ça va être après avec l'hanche. Sa personnalité, sa capacité pulmonaire, c'est quand même assez important. Mais ça se développe. Hein. Si vous commencez jeune, ça se développe. Si vous êtes déjà adulte, c'est pas non plus vraiment un souci. On a quand même la capacité. Hein. Maintenant, c'est pour faire des prouesses et tout ça. Bon, peut-être que hein, faut arrêter les 20 clopes par jour. Mais bon, raisonnablement, si on choisit bien la bonne ouverture de bec et l'anche qui va avec, à savoir que plus votre bec est ouvert, moi celui-là c'est un 9, un bec Autolink numéro 9. Et l'anche, c'est une anche de 2,5. Pourquoi ? Parce que, justement, je vous disais, l'ouverture là, elle est très grande, et avec l'anche qui arrive là, comme ça, vous voyez, une ouverture, bon, là, je fais ça, c'est schématique, mais ça, quand vous avez quand vous avez une grosse ouverture comme ça, et une grande chambre à l'intérieur, grosse cavité, donc ça fait une résonance. Bon, en plus, le système de ligature que j'ai, moi, c'est une ligature, là, vous voyez, une énorme barre de résonance, là. Voilà, c'est en laiton et tout ça, c'est énorme, mais ça participe de la résonance. Hein. C'est pour ça que quand j'émets un son, et plus le son est grave,
plus je rentre tout, tout le monde rentre en résonance, hein, le saxo et tout ça. Alors, je ne veux pas dire de bêtises, donc je ne dirai rien. Mais c'est un trapèze, hein, c'est un cône, et ce cône, il a une longueur. Et il est tordu, mais c'est tordu, c'est pour la façon dont on joue. Imaginez s'il était tout droit, parce que qu'il soit tordu dans n'importe quel sens, ça ne change rien. Ce qu'il faut, c'est la longueur et le rapport ouverture du pavillon et ouverture du bocal à l'entrée. Hein. Le bec, lui, sert à rentrer dans la finesse. Hein. C'est pour ça qu'on dit que c'est l'âme du saxophone, le bec et l'anche. C'est cette partie-là, c'est l'âme du saxophone. C'est vraiment que là que tout se passe. L'émission du son. Par exemple, je vais vous faire un exemple. À la John Coltrane. La John Coltrane jouait avec un bec plus fermé que ça. Et je crois qu'il jouait avec du 6, voire du 7. Je ne suis pas sûr. Autolink aussi, c'était le même. De toute façon, à cette époque-là, tous les gars, Coleman Hawkins, Ben Webster, tous, ça ne sert à rien, je vous les cite, mais ils jouaient avec des becs d'ouverture 6. C'est alors qu'ils avaient une émission et tout ça. Donc, voilà. Mais Ben Webster, ben, il jouait avec un plus ouvert, et lui, il jouait dans l'amplitude, et il faisait ce qui s'appelle des attaques soufflées. C'est-à-dire qu'il ne mettait pas un coup de langue pour faire une note dure, quoi, avec une attaque sèche, contrairement à Coltrane, c'est pour ça que je voulais parler de Coltrane. Coltrane faisait une attaque très dure, juste un petit exemple. Voyez, c'est hein, ça cartonne, hein, ça cisaille. Par contre, le vieux Ben, lui, radicalement à l'opposé. Il faisait des attaques soufflées, il ne mettait pas de coup de langue. Avec le bout de la langue qui tapait sur l'anche. J'ai oublié de vous dire. Il n'y a que les dents, hein, qui sont là. La bouche qui se met autour, c'est juste pour faire le joint. Hein. C'est le joint torique. Et alors, bon, Ben Webster, lui, il ne tapait pas avec le bout de la langue, il tapait avec l'arrière de la langue. Et il ne tapait pas avec l'arrière de la langue, il effleurait avec l'arrière de la langue l'anche. Cette anche, donc, il y a juste un démarrage. Et ensuite, profitant de la grande ouverture du bec et la faiblesse de l'anche, il envoyait du modulo. Et c'est là que sont nés les premiers crooners au saxo, les mecs. C'est la même note, je vous le refais. Alors, je vais exagérer, bien entendu, pour l'exemple. Thank you.
Voilà. Voilà, j'ai mélangé un petit peu les deux exemples extrêmes. Bon, voilà, pour voir ce que ça donne. Donc voilà. C'était une initiation, hein, c'était une présentation et tout ça. Si vous voulez que je sois plus précis, je sois sur un truc bien particulier, j'en sais rien, l'hanche, machin, le doigté, éventuellement les façons. Bon, mettez-moi ça en commentaire et je verrai. Parce que bon, voilà, j'ai fait un tuto, je sais pas comment ça s'appelle ça, un tuto, un cours. Mais bon, c'est juste un petit truc comme ça, bah, pour qu'on fasse un petit peu connaissance et tout ça. Mais en réalité, moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt de jouer. Donc, si vous visitez sur mon site, sur ma chaîne YouTube, en fait, il y a plus d'une centaine de vidéos que j'ai fait avec des musiciens, sans musiciens, tout seul en studio, avec toutes les conditions. Enfin, bon, et alors, c'est plutôt ça, moi, qui m'intéresse, hein, c'est de jouer. Maintenant, je vous dis, si jamais vous avez besoin de savoir, bon, je vais vous donner juste un truc. Le saxo, celui-là, c'est un ténor Selmer. C'est un super action 2. Et donc, je l'ai acheté tout neuf en 1993. 27 ans, le pépère. Et alors, il n'a pas pris une ride, hein. C'est pas comme moi. Voilà. Bon, bah, écoutez, moi, je vous fais des gros bisous et je vais vous faire un si bémol. Black Mamba, messieurs, dames. Allez, ciao!